Et salut à tous, c'est Idogoflat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, on est tranquillou en train de farm dans le C3, sans pression, on est toujours dans le top 300, on bat contre des joueurs qu'on rencontre généralement quand même à haut niveau, voilà, ils sont tous en train de chill. Des petites games super sympas, vous allez voir, on va jouer du Sion, du Carlos, vraiment, on a été varié un petit peu les last pick. Du coup, j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas, bah, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et bah enjoy. Oh, Zibala. Ok, est-ce que les gens les jouent en Swift ou pas? Est-ce que vous avez croisé des Zibala Swift ou pas? Vraie question. Alors. Prends le robot. Et là, tu vois, c'est vrai que c'est une game où peut-être le shampoo aurait pu être intéressant, quoi. Tout le monde joue Swift? Ah ouais? Stylé. Et ça, on aime. Double côté de speed. On prend la Jamir l'aspect là. Je pense que le Jamir va être pas mal. Et Napta. Toujours plus, hein. Je prends Léo, non, même. Il y a trop de trucs chiants, là. Go prendre Léo, ban quoi. Là, pourquoi il conteste autant la speed? Ok, les gars, j'ai une strat. Je fais ça. Et en fait, la machin, elle solo, genre. Ok. Donc là, il va aller gérer mon mour et ma... et mon robot. Ok. Mais ma machin va l'atomiser. Est-ce qu'il veut skill 2 ou pas? Il prend le risque ou pas? Non, je pense pas. Et il a raté, normal. Et ou pas skill 2. Ah, il m'a reset un tour. Oh non. Ok. Si je recule la TB de ce truc-là, le mour récupère son passif. Dommage. Je vais aller sur la Etna, non? Ou la 5 mètres? La Etna va être trop chiante, genre vas-y, je la sors direct. Et double résist, ça me met bien. Bon, il a un petit proc quand même pour compenser. Bon là, il va jouer avant, il va donner le tour à Oliver avant mon robot, du coup il va pouvoir le reset à nouveau. Ah. Ok, il joue avant. Ouais, résistance encore, stylé. Et moi je vais aller là-dessus, hein. Hop. Ok, moi aussi j'ai des petits procs. Là il y a son skill 2, ça peut changer, c'est le stun. Dommage. On va aller contrôler la TV de ce truc-là, et en même temps lui faire des dégâts. Oh, il est squishy, hein. Ouh. Mais je pense vraiment que là la macha, elle va solo, hein, vraiment. Il met trop de temps à me tuer. Ok, je vais aller sur le Oliver, là. Et là, moi avec Moore, je peux te tuer là avec ce qu'il a. Hop là. Oh. Ok. En vrai, sa compo est fun. C'est juste que là, il a fait un mauvais choix déjà. Je pense qu'il est allé sur la Shisuke, il aurait jamais dû. Oh, on a dit qu'on faisait comment pour le battre lui. Il avait du coup une compo où il jouait avec Sandrez. Et il a Valentis et les Noins et d'autres trucs. Et il fait pra machin à chaque game. La raison, c'est deux mobs assez forts. Alors, comment est-ce qu'on fait nous? On va prendre que des mobs capés, hein, je pense, d'ici, dans l'idéal. Ou Shifsu, je pense, c'est une bonne idée. On va pas prendre Moore, du coup, on fait pas cette erreur. Le Moore sert à Kuchi. On prend le robot vent ou on prend Jaina? Vas-y, je prends Jaina. Mais bon, en vrai, elle est pas capée, c'est chiant. Mais on va jouer Bruiser à côté, on va jouer Nikki, je pense. Il a pris le Moore. Il a pris le Moore. Je crois qu'il prend des gangs. Vas-y, on va faire ça, hein. Voyons voir. Mais du coup, c'est bizarre hein, quand même, parce que il décide de prendre Valentis alors que j'ai pris Jaina. Soit son Valentis, il est en wheel, il est pas en wheel, pardon, ou soit juste en fait, genre, il va ban Jaina. Et je pense qu'il va ban Jaina. Donc on va ban ça. Juste, le mec ne peut pas se voir Jaina, je pense. C'est ça le bail. Bon, on va essayer de reset le Valentis, mais vous savez ce qui se passe avec les Valentis? C'est qu'ils sont buggés, hein. Ils sont toujours buggés, donc c'est pas vraiment 25% de chance de revenge, c'est plutôt un 100%. Ah bon, bref. Yeah. Ça, ce cadeau, c'est moi qui offre, c'est papa qui offre ça. Ça, c'est papa qui offre. Ah,
Oh non, je fais pas 4. Quoi? Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, je le fais sur moi-même, je pense. Là, go, hop. Ok. Mais là, du coup, il a pas eu le maniki qui va pouvoir cleanse tout. Il le sait. Je le fais, hein. Oh, fait chier, évidemment, les procs. Ok. On va arrêter de ce clin. Excellent, on va aller arrêter de ce truc-là maintenant. On va essayer de mettre un stun là. Oh là 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 là, magnifique. Je skill de sur moi-même. Je vais à nouveau d'abord reset ce clap parce que j'ai pas envie de me faire stun par le revenge juste à gauche. Je vais reset juste à la tour à nouveau. Oh, encore un proc. Arrête un proc. Ok, vas-y, go skill 3. On va mettre le big damage maintenant. Voilà. Et on a déjà le skill 3 que je suis tout approché à tour. Hein. Ici, on est vraiment pas mal. Ok, on va juste faire ce qu'il a là, hop. Oh là là, le stun est incroyable. Shizuka, hop là, on refait skill 3. Et on est bien là. On est bien là. Est-ce que lui, il joue pas uniquement de la cleave, lui? C'est pas un petit loulou qui joue tout le temps de la cleave. Vas-y, on va le laisser nous cleave. Bah, Goniki Dominique, hein. Hop là. Broken. Il se transforme en Liverte. S'il se transforme en Liverte, les gars, on va pouvoir jouer notre Eludia. Oh putain, les gars, on va jouer Eludia. Je m'en fous de la paire, les gars, j'ai envie de jouer... Eludia Isabelle. Ou bien. Lexi Show. Ah, on peut pas. Oh, mon pauvre. Si dans mes shampoings ici, c'est broken à nouveau. Shampoing était bien ici. I miss you already, shampoing. Cherchez ma Isabelle, les gars. Voilà, j'ai perdu, hein. Cherchez ma Isabelle. Je voulais quand même la jouer. Non! Banana, please, ban mon pic automatique, s'il te plaît. Je suis dégoûté. Eh ouais. Il a raison, petit loulou. Bon, le problème, c'est que ma Eludia va être la cible de toutes les foudres. Mais bon. En vrai, Nikki. You can do it. Un mec fait souvent ces trucs à la main. Perpicace, ça. Ok, le petit Proctéa, c'est classique, hein. Proctéa. Do it. Ça dégage. Ok, on a clip avec Eludia. Waouh. Oh, c'est broken. C'est broken. C'est le même... Bon, on peut refaire la même draft, hein. On refait la même draft, hein. Je vous jure que sa draft était flyée, hein. Adapte-toi parce que ta draft était flyée. Rihanna. Après, je peux aussi juste ban Nikki, Nana. En vrai, je peux aussi juste ban Nana, hein, mais bon. Et comme ça, on tue ça direct, quoi. Le mec rejoue quand même la même, tu vois. Et il se dit pas qu'il est de la chatte, tu vois. C'est quand même fou, hein. Putain. Ah. Bon, je l'assure le kill, ouais. Ok. Faire ça, hein. On va se mettre un petit heal. Je le fais ou pas? Ouais, hein.
Allez, go, Persa. Ok. Bon. Faisons ça. On va le verder. Oh merde. Il y a un ragdoll aussi. Oh shit, il y a trop de trucs. Alors on est obligé de battre un ragdoll, c'est pas bon ça. Il est mon Ken. Eh viens là. Bon. La Kiki va être un petit peu chiante, on va pas se mentir. Ah, trop pour aller de speed. Bon, ça quand même. Ce sera mieux qu'à l'idée d'HP. Alors, qui joue premier? Il va aller sur qui? Dominique? Dominique. Octa, classique. Je joue premier, du coup, attends, je peux strip ça, non? Bon. En vrai, je vais l'allumer, non? Ok, on la reset. Bon, on a un mauvais proc. Mais tu sais quoi, on va le prendre, comme ça, on va reset la Juno. Et comme ça, elle peut pas, voilà, ah, elle peut pas me mettre des buffs sur mon Ken. Et mon Ken et ma Juno, enfin la Juno plutôt, va dépop avec le Ken, je pense. Ok, pas mal. Hop, on va tuer ça. Ouais, reset ce truc là. Oh nice, je réduis la TB, incroyable. On va aller la set à ce qu'il a. On va aller contrer la TB de ce truc là aussi. Oh là là, mais bon proc ça, on peut réduire la TB. Oh là là, Oliver Gaming. Mais c'est formidable. Eh, hey, en point du coup. Molong. Ah ouais. Et du coup, il fait quoi? Il fait tableau shampoing à la fin. Tableau shampoing là? Peut-être, hein. Là, il a pris deux contre à Asian et Gianna. Très malin. Okay, hein. On paye ça. On va one-shot le Jamir. Et si en solo? Je sais pas si je joue avant, mais je vais quand même mettre la bombe. Je sais pas si Macha va jouer avant. L'idée, c'est que je puisse absorber plus d'ATB. C'est pas le cas, du coup. Ah, bah. Il a déjà utilisé son cleanse. Peut-être que j'aurais pu tuer ça pour éviter de me prendre de slow. Mais bon. On va parier sur le fait qu'il va pas rater de bombe, hein. Voilà. Non, mais pas trop mal. Et ça. Oh, bon, pire. Ok, c'est win guys. Et voilà les petits potes, c'est la fin de la petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et ciao ciao les potes, tito.